N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, merci. La situation sur les lignes de front se durcit en Ukraine. 5 personnes ont été blessées dimanche dans 2 frappes russes sur le centre de Kharkiv, la deuxième ville du pays. Des immeubles résidentiels ont été endommagés et de l'aveu même du président Zelensky, la situation est très difficile à Donetsk, Bakhmout, Vouglodar et Liman. Le ministre ukrainien de la Défense dit s'attendre à un assaut russe imminent et réclame avec insistance aux Occidentaux des avions de chasse. I'm sure that we will win this war. I'm sure that we will liberate all temporarily occupied territory till the 1991 status. But if we will have a procrastination or reluctant with the aircraft platforms, it will cost us more lives, more blood of Ukrainians. Les livraisons d'armes occidentales sont cruciales pour Kiev. Les Américains vont fournir des roquettes qui pourraient quasiment doubler la portée des tirs ukrainiens. Des chars lourds ont été promis à Kiev. Le Canada a expédié ce week-end son premier blindé, Léopard 2. À Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, les derniers habitants prient pour la paix lors d'une messe dominicale tenue à la bougie dans le sous-sol d'une église. Des combats acharnés se déroulent toujours. L'armée russe, épaulée par les mercenaires du groupe Wagner, tente depuis l'été de s'emparer de cette ville en grande partie détruite. Si la conférence de presse d'Igor Kirillov cette semaine s'inscrit dans la tradition des réquisitoires routiniers du ministère des armées russes, les affirmations du commandant des forces de défense radiologique, biologique et chimique ne sont pas anodines. Documents, rapports à l'appui et de manière quasi explicite, il a accusé les États-Unis d'être à l'origine de la pandémie de Covid-19. Nous avons rendu compte de travaux menés à l'université de Boston pour renforcer les propriétés pathogènes des activateurs de Covid-19 financés par le gouvernement américain et de l'implication possible des agences de développement international des États-Unis dans l'émergence d'un nouveau coronavirus. Dès les premiers mois de la pandémie, à l'été 2020, Washington, mais aussi Londres ou encore Ottawa, avaient déploré des attaques informatiques visant des agences gouvernementales, lancées par des hackers liés à l'armée russe. Des piratages massifs de plusieurs de leurs centres de recherche, sur leur territoire ou à l'étranger. Les militaires russes font aujourd'hui reposer leurs soupçons sur l'analyse de plus de 20 000 documents issus de programmes américains. Et plus étrange, récupérés selon eux à la faveur de ce que le Kremlin appelle l'opération spéciale. Depuis le début de l'invasion en Ukraine en 2022, Moscou s'est mise à accuser Washington d'y développer des armes biologiques, comme ce jour-là devant le Conseil de sécurité à New York. Sur le territoire de l'Ukraine, il existe un réseau composé d'au moins 30 laboratoires dans lesquels sont menées des expériences biologiques très dangereuses visant à renforcer les qualités pathogènes de la peste, de l'anthrax, du choléra et d'autres maladies mortelles. Si les accusations de Moscou sur l'origine de la pandémie ne sont pas nouvelles, elles ont pris une autre dimension à la faveur de la guerre qui se déroule à sa porte. En octobre dernier, les Russes avaient demandé une enquête de l'ONU sur l'implication de Washington dans le développement présumé d'armes biologiques en Ukraine, demande rejetée une semaine plus tard par le Conseil de sécurité. Напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі. Дуже тяжко на Донеччині, запеклі бої, але як би не було тяжко, та яким би не був тиск, ми маємо вистояти. Le ministère russe de la Défense a publié un communiqué indiquant que Kiev s'apprêtait à faire exploser des bâtiments dans la ville de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, une opération qui viserait à faire accuser la Russie de commettre des crimes de guerre. Alors que les forces russes progressent dans l'Est, l'Ukraine demande toujours aux Occidentaux d'accélérer la livraison des armes promises. C'est dans ce contexte qu'intervient un changement dans le gouvernement ukrainien. Le ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov, est remplacé par l'actuel chef du renseignement militaire, Kirillo Budanov. Clair, la Crimée faisait partie de l'Ukraine, mais pour des raisons absolument fictives et administratives du temps de Khrouchtchev, il n'y avait pas de frontière à l'époque entre l'Ukraine et la Russie, donc ça n'existait pas. C'est ce soir-là que Yeltsin, bien éméché, dit à Kravchuk,
Eh ben, fais-toi plaisir, je te la laisse. C'est ainsi, mesdames et messieurs, que l'Ukraine que la Crimée fait partie de l'Ukraine. Je vous raconte l'anecdote parce que c'est pour vous dire que quand on parle de l'évolution politique, humaine, de cette région, on n'emploie pas toujours les mêmes termes que nous. On n'a pas l'habitude de cette histoire. On n'a pas l'habitude de... Ce que je viens de vous raconter, c'est authentique. Vous l'avez jamais entendu à la télé, ça. Bon. Mais attendez, avouez quand même que c'est pas inutile de se dire, mais au fait, pourquoi la Crimée est en Ukraine ? L'Ukraine, est-ce qu'on est dans une escalade ? Clairement, on est dans une escalade. Ces armes, elles sont destinées, si j'en crois, la présentation qui en a été faite au début du mois de janvier à Washington, elles sont destinées à permettre à l'Ukraine de lancer une offensive qui doit lui permettre de reprendre notamment le corridor sud en direction de la Crimée. Donc on n'est plus dans une posture où on a essayé de contenir l'armée russe, c'est pareil dans mon esprit, depuis le début, avec succès, mais là on est dans une autre phase, grâce à l'aide massive des Américains, notamment en matière de missiles à longue portée, les fameux HIMARS, l'artillerie à longue portée très précise, plus le renseignement, les Ukrainiens ont réussi une contre-offensive très brillante qui leur a permis de repousser les Russes, de reprendre en gros 20% au moins du territoire que les Russes avaient conquis. Et maintenant, on a une ligne de front sur à peu près 1 millier de kilomètres qui va de Kharkiv au nord jusqu'au sud, jusqu'à... Justement, est-ce que c'est pas le moment d'enfoncer le clou ? Ce front, il s'est stabilisé avec l'hiver et aucun des deux ne progresse, vraiment. Les Russes ont réussi à immobiliser beaucoup de forces ukrainiennes autour de Bakhmout. Et donc, le souhait ukrainien de lancer très vite une autre offensive vers le sud a raté. Donc, pour l'instant, on est sort de match nul, où on est rentré dans une guerre d'usure, d'attrition. Et le point de vue des responsables militaires occidentaux, ukrainiens, c'est de craindre que le conflit se bloque et que le temps ne joue pas en faveur de l'Ukraine. Que peu à peu, les Russes reconstituent leurs forces et que, parallèlement, le soutien des Occidentaux s'use avec le temps et que tout ça finisse par être mauvais pour l'Ukraine. Donc, il faut permettre à l'Ukraine une offensive et la reconquête rapide des territoires, notamment de la Crimée. C'est ça. C'est à quoi que servent les chars, les blindés, l'artillerie supplémentaire qui est promise, et dans la foulée, ce que souhaite Zelensky, les avions. Donc on passe d'une forme de défense de l'Ukraine qui a fonctionné, parce que Poutine a raté ses objectifs stratégiques, à quelque chose d'autre, qui est une offensive, alors avec la difficulté de savoir jusqu'où ça s'arrête. Et c'est là qu'on est dans une sorte d'engrenage, qui peut très mal tourner, parce que évidemment les Russes n'ont aucune intention de perdre. On a des discours qui deviennent de plus en plus extrêmes des deux côtés. Du côté ukrainien, on parle, et pas seulement les Baltes, les Polonais en particulier, parlent d'en finir avec l'ADN, je cite, l'ADN impérialiste de la Russie. Donc on veut aller renverser le... On espère que la défaite, ce qu'on veut, c'est la défaite de l'armée russe, qui, à son tour, entraînera la chute du régime poutinien, et donc une autre Russie, supposément démocratique. Valéza veut même la couper en rondelles de façon à la rendre inoffensive, définitivement inoffensive. D'autres, comme Kissinger, les réalistes, comme moi, pensent que, d'abord, il n'y a aucune garantie que le régime suivant soit plus sympathique. Je pense à Monsieur Prigogine. Et deuxièmement, on rentre dans un processus de changement de régime qui est ultra risqué, s'agissant d'une puissance nucléaire qui domine plusieurs milliers d'armes atomiques. On n'a jamais traîné le chef d'une grande puissance, surtout nucléaire, devant un tribunal de Nuremberg. Donc tout ça est en train de déraper dans tous les sens et m'inquiète profondément parce que y a un vieil adage qui dit qu'on sait comment commence une guerre, on ne sait pas comment ça se termine. Il y a le brouillard de la guerre de Clausewitz, des choses qui se passent, il y a une dynamique propre dans un conflit et on peut
d'erreur de calcul, et il y en a eu beaucoup dans cette affaire depuis 30 ans, depuis la deuxième indépendance de l'Ukraine, on peut se trouver dans une situation que personne ne contrôle. Et comme nous, Français, nous sommes une des quatre puissances nucléaires, parce qu'il y a quatre puissances nucléaires dans cette affaire, je dis attention, je dis que tout ça mérite réflexion, que cet emballement médiatico-émotionnel dans lequel on est n'est peut-être pas la meilleure façon de gérer une chose aussi grave, et que tout ça mérite réflexion et débat. Aujourd'hui, on est dans à ce moment du combat où les deux boxeurs se sont donné suffisamment de coups, ils ont pris la mesure l'un de l'autre, ils sont déjà l'un et l'autre fatigués, mais aucun des deux n'a perdu l'espoir de l'emporter. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de paix. Parce qu'il me semble que dans une guerre, véritablement, celui qui décide de la victoire, c'est le vaincu. Celui qui déclare « j'arrête, je n'en peux plus », c'est lui qui décide de la fin de la guerre. Ce n'est pas celui qui est en train de gagner. Donc pour l'instant, comme il y a équilibre apparent des forces, mais ça peut changer demain matin, on ne voit pas de solution de sortie, on voit pas le bout du tunnel. L'Ukraine, près d'un an maintenant après le début de la guerre, un nouveau ministre de la Défense va bientôt être nommé. Kirillo Budanov, 37 ans, chef du renseignement militaire, un expert pour être mieux préparé alors que Moscou prévoit une nouvelle offensive selon Kiev. Mais les soldats du Kremlin atteindront-ils leurs objectifs cette fois-ci? L'an dernier, ils s'étaient heurtés à une armée ukrainienne qu'ils avaient sous-estimée. William Molinier, les états-majors russes ont-ils tiré les leçons de leur échec? Oui, et d'ailleurs, plutôt rapidement, dès les premières semaines de la guerre, les élites militaires ont publiquement reconnu qu'elles faisaient face à des difficultés, parmi elles le manque criant de mobilité, à l'inverse d'une organisation ukrainienne très souple et peu dense. Autre enseignement tiré par le Kremlin, l'amélioration indispensable de la lutte contre les drones tactiques, des drones qui ont fait peser une menace inacceptable sur l'armée, selon les mots de l'état-major russe. L'artillerie, elle aussi, a été critiquée en interne, appuyée un spécialiste de la pensée stratégique russe. Les responsables de l'échec de la prise de Kiev ont été évincé. Cette introspection est suivie de très près par le renseignement occidental. Une source militaire en est convaincue. L'armée russe de ce mois de février n'est plus la même que celle d'il y a un an. Sur le front, les soldats du Kremlin sont plus nombreux. Surtout, les boucles de décision ont été raccourcies. Reste à savoir si ce gain en agilité sera décisif. La nouvelle offensive russe entrevue dans quelques semaines en Ukraine devrait être un bon baromètre. Moment charnière qui pourrait faire basculer l'avantage militaire d'un côté ou de l'autre après plusieurs mois de neutralisation sur le champ de bataille. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un problème interne, non résolu, sur le type de démocratie, comment ils vont s'organiser, quel type d'autonomie pour ces régions de l'Est. Premier problème. Deuxième problème, la relation entre la Russie et l'Ukraine. Stéphane Courtois, très justement, est revenu à la première indépendance ukrainienne, juste au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que, à ce moment-là, quand l'Ukraine a recommencé à exister, ou commencé pour la première fois, c'est là que la première indépendance a été déclarée, tous les Russes étaient contre. Les Russes blancs, qui faisaient la guerre, les Russes rouges, les sociaux-démocrates, tout le monde était contre. Tout le monde considérait l'Ukraine comme faisant partie de la Russie. Et s'il y a eu un petit moment où les Russes ont joué la politique de nationalité, très vite, ils ont resserré la vis et ils n'ont pas accepté qu'une Ukraine indépendante existe. Dans le même temps, très intéressant aussi, les puissances centrales, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, ne voulaient pas d'Ukraine. Et au moment du traité de Versailles, l'Ukraine doit être, avec les Kurdes, le grand perdant de tout ça, puisque c'est le seul grand pays européen qui n'a pas eu droit à un pays, et qui a été divisé, découpé. Et donc, s'agissant de la relation entre la Russie et l'Ukraine, les Russes, même les plus démocrates, les Gorbatchev, les Solzhenitsyn, qui vous voulez, considèrent l'Ukraine comme faisant partie de la famille russe. C'est comme ça. Bon, donc, il faut comprendre que pour eux, c'est existentiel, cette affaire-là. Il y a eu le discours de Bruno Le Maire. Nous allons mettre l'économie russe à genoux. Il y a, je ne sais pas dans quel monde vit Ursula von der Leyen, hein, puisque, alors oui, il y a des sanctions. Mais sauf que quand vous regardez les résultats économiques, et ça c'est pas moi qui le dis, c'était un rapport dans la Tribune, c'est dans le Guardian, l'économie russe aujourd'hui fait mieux que l'économie britannique. Et en 2024, l'économie russe fera mieux que la zone euro. J'allais dire, l'économie britannique ça compte pas. Oui, non, non. C'est le Brexit. Oui, alors oui, c'est vrai que c'est la faute du Brexit. et vous avez cette dame
qui n'est rien. Hein. Elle est responsable de la Commission européenne, non élue, qui est dans un délire, à la fois de guerre totale, à la fois aussi... on peut la soupçonner de travailler pour les intérêts américains plutôt que les intérêts européens, puisque tout ce qu'elle fait, en fait, nuit à l'Europe. Mais fondamentalement. Les sanctions, certes, nuisent à la Russie, mais nuisent d'abord à l'économie européenne. L'inflation, l'explosion de l'énergie n'a fait qu'empirer depuis ces sanctions. Quand Angela Merkel était aux manettes en Allemagne, cette dame était ministre de la Défense. Elle a été exfiltrée pour un scandale avec les cabinets de conseil, notamment, de marché public. Oui, mais à l'époque, Angela Merkel deal avec la Russie Nord Stream, parce que l'Allemagne, pays industriel, a besoin d'énergie peu chère. Et donc, le gaz russe était peu cher et ce pipeline était formidable. Sauf que les États-Unis avaient prévenu. Ne faites pas ça. Jamais ça. Le but des États-Unis, c'est d'éviter à tout prix une amitié, une construction entre l'Europe et la Russie. Pour les États-Unis, c'est la fin. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de produits européens, eux aussi, mais ils ont besoin de tenir l'Europe sous leur coupe. Et c'est ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, de manière accélérée, avec une Ursula von der Leyen qui fait absolument tout ce qu'il faut pour faire plaisir à Washington, sachant qu'on a des leaders européens tous soumis sur ce principe de dire nous sommes dans l'OTAN, donc nous sommes des alliés atlantistes, donc nous sommes d'un côté et pas de l'autre. La défense européenne qui est la même chose que l'OTAN, non ? Ah oui, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, ce n'est pas une opinion d'un souverainiste, hein, c'est le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne, donc on peut le retrouver, c'est un ensemble de traités européens, de règles européennes qui ont été synthétisées comme une sorte de traité, mais c'est un rassemblement de tout ce qui a été écrit avant et ensuite ça a été peaufiné. Et qu'est-ce qui est nouveau dans le traité de Lisbonne ? Donc il y a l'article qui permet la sortie, les Anglais en ont profité, ils ont raison de leur point de vue, mais il y a aussi le rappel que là, ils disent pas les... La structure de défense de l'Union européenne, c'est l'OTAN, c'est écrit noir sur blanc, donc c'est vraiment dans le marbre. Et donc, ce n'est même c'est-à-dire pas qu'on peut c'est... pas, on peut être dans l'OTAN et pro-américain en étant hors de l'UE, mais dans l'UE, on ne peut pas. En fait, ce qui est intéressant, intéressant dans l'UE, que vous soyez membre de l'OTAN ou pas, vous êtes membre de l'OTAN, puisque l'organisation de défense de l'Union européenne, traité de Lisbonne, c'est pas mon opinion, c'est l'OTAN. Donc, quand vous êtes dans l'UE, vous êtes dans l'OTAN, directement ou indirectement, que vous le vouliez ou non, et même si le dirigeant en place crie et hurle et fustige l'OTAN. Tout simplement, je suis pro-français, j'ai cette faiblesse, et je crois très fortement dans l'avenir de notre pays, à une condition, c'est que le gouvernement français défende ses intérêts et ne suive pas aveuglément des puissances qui ne sont pas les nôtres. Et je cite toujours à ce titre la phrase de Virgile, « Jamais de confiance dans l'alliance avec un puissant ». C'est ce qui se passe aujourd'hui où la France est devenue servile et suit aveuglement les Américains, même si de temps en temps, il faut le reconnaître, Macron-Jupiter a une certaine tendance à se dire qu'il faut garder un contact avec la Russie, car il sait très bien sur justement un certain nombre de personnes du ministère des Affaires étrangères que la Russie appartient à l'équilibre européen. Ne jamais oublier ce fondamental qui est pour nous, je dirais, dans l'organisation des choses. Le ministère chinois des Affaires étrangères a critiqué l'usage par les États-Unis de la force pour attaquer un dirigeable civil non habité de Chine. Selon une déclaration du ministère, la partie chinoise a expliqué à plusieurs reprises à la partie américaine que l'entrée non intentionnelle de son aéronef civil dans l'espace aérien américain relevait de la force majeure. Le ministère a affirmé que la Chine avait demandé aux États-Unis de gérer correctement la situation et que les États-Unis avaient pour leur part indiqué que l'aéronef ne posait aucune menace pour les gens au sol. Il a ajouté que les États-Unis ont insisté pour faire usage de la force, ce qui, je cite, « constitue une réaction excessive flagrante et enfreint les conventions internationales ». Il a déclaré que la Chine préserverait résolument les droits et les intérêts légitimes des entreprises concernées et se réserver le droit d'apporter d'autres réponses nécessaires. International, bonjour mon cher Vincent Herouet. Bonjour Lionel, cette bonjour question à tous. Ce matin, le mystérieux ballon chinois observé dans le ciel américain ces derniers jours, ce ballon va-t-il rebondir, Vincent ? En tout cas, il a secoué l'apathie du week-end, comme si la Troisième Guerre mondiale avait commencé, avec toutes les vedettes du Parti républicain dénonçant l'incurie de la Maison-Blanche, accusée d'avoir réagi trop peu et trop tard. Peut-être qu'il était fait pour cela, cet énorme ballon espion qui ne risquait pas de passer inaperçu. Non. Ce ballon si gros que même Phileas Fogg n'en aurait pas voulu. Les Chinois ont reconnu qu'ils
recueillait des observations, notamment météorologiques. Tout est dans le « notamment ». Le Pentagone l'avait repéré en Alaska, puis jeudi, c'était le Tocsin quand le ballon est passé au-dessus du Montana, où se trouve le plateau d'Albion américain, à la base de Maelstrom, avec ses missiles intercontinentaux. Et dimanche, donc, enfin, un missile tiré par un F-22 a crevé la baballe au-dessus de l'océan. Joe Biden a félicité les pilotes d'avoir réussi à le démonter, comme s'il s'agissait d'une mine, d'un satellite ou d'un mensonge de Donald Trump. Le président paraît souvent à côté de la plaque et on peut se demander si c'est pas ça que voulaient vérifier les Chinois. Pékin proteste, mais quand on envoie un ballon au-dessus du jardin d'un voisin armé d'une Winchester, on prend le risque, évidemment, qu'il serve de balle-trappe. Mais ce ballon, c'est une nouvelle forme d'espionnage ? Les vols de surveillance, c'est le béaba de l'espionnage. Les Américains, les Russes, les Chinois et 22 autres pays, dont la France, ont même signé un traité pour les autoriser. Il a tenu 30 ans, jusqu'à Donald Trump, qui a dénoncé ce traité Open Sky. Des ballons chinois ont déjà été repérés au-dessus du Japon, de l'Inde, des bases américaines d'Hawaï et de Guam, et même 5 fois au-dessus du territoire américain. Il dérive ses ballons à plus de 20 km d'altitude, mais il ne serait pas plus efficace que les satellites en orbite basse, dont la Chine a tout un réseau, notamment les satellites Yaogan qui survolent toutes les heures le territoire américain. La Chine a tous les outils pour surveiller le monde avec ou sans la 5G, et c'est un problème autrement plus grave qu'un ballon qui s'égare, sans parler des milliers d'espions au sol qui ont investi les entreprises américaines, les universités, les ONG, les labos et les lobbies qui pullulent à Washington. Bon, bah alors si ce ballon ne servait pas à espionner, Vincent, à quoi il servait ? Peut-être à tester un savoir-faire, c'est la course entre Chinois et Américains dans cette très haute atmosphère entre 20 et 100 km d'altitude, et plus sûrement à tester l'ennemi. Et la provocation est réussie quand Anthony Blinken a dû annuler in extremis sa visite à Pékin, la première visite d'un secrétaire d'État américain depuis 5 ans, avec Xi Jinping et les sujets à déminer ne manquaient pas, la Russie, Taïwan, la guerre commerciale, les nouvelles bases américaines aux Philippines, etc. Visiblement, des responsables chinois ont voulu saboter le rendez-vous, mission accomplie. On ignore ce qu'en pense Xi Jinping, mais la balle est dans son camp. Peut-être va-t-il la reprendre de volée. On verra. Merci, signature Vincent Hervouette. Je trouve extraordinaire qu'il y ait cette espèce de choc entre l'histoire longue qui marque notre identité et puis le plateau télé, notamment de chaînes d'infos en continu, qui vous demande en quelques minutes de vous dire bon, qu'est-ce que c'est les Ukrainiens, qu'est-ce que c'est que les Russes, etc., etc. Alors, si je dis, et je plaisante évidemment en disant je n'en sais rien, parce qu'en fait j'ai évidemment la clé secrète, qui est l'autre manière, si vous voulez, d'attirer l'attention des télés, ça c'est la technique Alexandre Adler. Alors la technique Alexandre Adler, c'est, selon mes sources dans les services de renseignement, vous pouvez toujours le dire, personne ne se contredira jamais, puisqu'il n'y aura jamais un mec dans la salle qui va se lever pour dire « excusez-moi, je suis le porte-parole de la DGSE ou de la DGSI, vous racontez n'importe quoi ». Alors j'ai des phrases de Alexandre Adler qui dit « dans cette région du monde où les services pakistanais sont très actifs ». Tu peux toujours le dire. Bon, il vaut mieux que ce soit pakistanais que si tu dis les services somaliens, parce que là, on ne te croira pas, tu vois. Donc, pourquoi je reste là-dessus ? C'est parce que, si vous voulez, on est dans une méthodologie où, justement, si vous voulez, c'est le temps du média qui a pris le temps de la guerre. Le nord-est des États-Unis a des allures de Sibérie. 16 millions d'habitants sont plongés dans un froid glacial. Samedi, au sommet du mont Washington, dans le New Hampshire, la température ressentie a atteint un record. Le service météorologique local décrit une flambée arctique épique et générationnelle, soulignant que les refroidissements sont inédits dans le nord et l'est du Maine depuis des flambées similaires en 1982 et 1988. Les habitants du New Hampshire, pourtant habitués à des hivers très froids, décrivent une situation inédite. Il fait plus froid que ces derniers temps. Normalement, à cette époque de l'année, nous avons une baisse pendant une semaine ou deux, mais généralement, il ne fait pas aussi froid. J'ai parlé avec une famille de San Francisco et ils n'avaient aucune idée de ce qu'il fallait faire. Ces températures perturbent le quotidien des Américains qui doivent s'adapter. Aujourd'hui, la température ressentie est d'environ moins 30 degrés, ce qui représente environ 15 degrés de plus qu'hier quand nous sommes arrivés ici. Et ils ne font pas longtemps pour ressentir les vents. Il faut des gants épais et nous avons reprogrammé notre motoneige d'hier. On peut observer cette fumée blanche s'élever du fleuve Saint-Laurent près des Grands Lacs, conséquence des vents froids sur l'eau gelée, mais également des tremblements de glace beaucoup plus préoccupants.
J'ai entendu les branches des arbres se briser. On ne sait pas si c'était sur le toit ou juste dans la cour. C'est très éprouvant pour les nerfs. Les autorités concernées suivent la situation de près. Des alertes pour conditions météorologiques extrêmes ont été déclenchées dans une grande partie de la Nouvelle-Angleterre, du Québec et de l'Est du Canada. Plusieurs millions de personnes pourraient être touchées par ce froid glacial. Rouillé, rempli de produits toxiques, l'ancien porte-avions français gît désormais au fond de l'Atlantique. Le Foch, rebaptisé le Sao Paulo, a été coulé par la marine brésilienne dans une zone imprécise, à 350 km des côtes et 5000 mètres de profondeur. Aucune image de l'opération, très contestée. La fin d'une longue agonie. Le Foch est un porte-avions d'escadre léger. Construit à la fin des années 50 dans le chantier naval de Saint-Nazaire, le Foch a été la vitrine de la marine française pendant près de 40 ans. En l'an 2000, il passe sous pavillon brésilien. Il est déjà vétuste, un incendie en 2005 et divers problèmes. Il devient vite indésirable et erre en mer. En 2022, il part vers la Turquie pour être démantelé, mais fait demi-tour face à la pression des militants écologistes locaux. C'est au moins avec 10 tonnes d'amiante que le géant de 266 mètres de long a sombré. 30 000 tonnes de ferraille au fond de l'eau. Pour les associations écologistes, c'est un crime contre l'environnement. La catastrophe commence, il va falloir vérifier... faire un suivi de l'épave pour voir au fil des années et des décennies la trajectoire des résidus toxiques provenant de la lente décomposition de l'épave. L'impact de ce naufrage organisé aura très certainement des conséquences sur la vie marine. Le dernier porte-avions coulé dans le monde était américain, c'était en 2006, mais il avait été dépollué. Des affaires étrangères, Sergueï Lavrov est attendu ce lundi à Bamako pour une visite d'amitié et de travail, visite au cours de laquelle il aura des entretiens avec les autorités de la transition sur le renforcement de l'ASC Moscou-Bamako. Bamako veut élargir la coopération russe à d'autres domaines comme l'économie, le commerce pour assurer l'approvisionnement de notre pays en intrants agricoles, blé et produits pétroliers. On fait le point avec Siak. La population malienne attend vivement votre visite. En se rendant au Mali, le ministre russe des Affaires étrangères tient un engagement pris le 20 mai dernier lors de sa rencontre avec son homologue malien à Moscou, Sergueï Lavrov, répond ainsi à l'invitation d'Abdoulaye Diop à effectuer une visite dans notre pays. Le ministre Diop conduisait une délégation composée de 4 membres du gouvernement venus discuter avec les partenaires russes des voies et moyens de renforcer la coopération militaire qui a déjà permis l'acquisition des équipements immatériels dont les vecteurs aériens pour les FAMA. Une coopération exemplaire et fructueuse donc que les autorités de la transition veulent étendre à d'autres domaines dont l'économie. Sur le plan sécuritaire, nous avons une coopération militaro-technique et une coopération pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali, coopération qui se fait à notre demande, à la Fédération de Russie, et coopération qui aujourd'hui donne des résultats probants sur le terrain, de la montée en force des forces de défense et de sécurité, la libération de beaucoup de localités qui étaient occupées par des groupes terroristes. Côté de ces piliers sécuritaires et politiques, notre ambition et notre objectif, comme vous l'avez souligné, c'est comment renforcer la coopération économique et commerciale, en la diversifiant, en l'ouvrant à nos entreprises pour qu'on puisse travailler ensemble. Aujourd'hui, pour cette visite en particulier, qui intervient dans un contexte géopolitique spécial, particulier, nous sommes venus pour pouvoir regarder un certain nombre de secteurs où nous pouvons travailler ensemble. À mon avis, les résultats sont déjà visibles. Nous sommes attachés à promouvoir ces projets au sein de notre ministère. Toutes ces questions sont étudiées par les agences appropriées. À l'issue de cette visite, nous allons présenter nos propositions. Depuis,
les visites des délégations ministérielles à Moscou et d'experts russes au Mali se sont multipliées sans oublier les appels téléphoniques entre les présidents de la transition colonel Assimi Goïta et le président Vladimir Poutine, toutes choses qui ont abouti à la signature des protocoles d'accord sur la livraison de 35 000 tonnes d'engrais, 50 000 tonnes de blé, l'approvisionnement du Mali en produits pétroliers, en ciment et la modernisation des chemins de fer pour la reprise du trafic ferroviaire. Dans ce partenariat, lorsqu'on va signer une convention globale d'État, État qui définit les grands principes de ces échanges, chaque fois qu'il y a une expédition, des contrats de une ou deux pages vont être signés entre des sociétés d'État russes et des sociétés d'État maliennes. À partir de là, ils vont recevoir les marchandises au port. À partir du port, eux, ils auront déjà signé des contrats avec les opérateurs privés maliens pour les pétroliers avec l'Office malien des produits pétroliers, pour les fournisseurs d'intrants avec la CMDT. Donc les opérateurs auront tout simplement à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire c'est d'aller chercher les produits au niveau des ports et de continuer la distribution dans le pays. Les modalités de finalisation de ces contrats sont en cours. Les deux parties ont signé également des contrats de partenariat dans les domaines de la sécurité et de la protection civile, des mines. Ils concernent entre autres la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière, la réalisation de centrales hydroélectriques à gaz, des projets de lignes de transport électrique. Pour ce qui concerne l'enseignement supérieur, les négociations sont en cours pour augmenter le nombre de bourses octroyées par la Russie au Mali. Présentement, ce sont 60 par an. Alors que pendant la période soviétique, ces normes atteignaient 400. Le développement rural, le numérique, la communication, les télécommunications, les arts et la culture ne sont pas oubliés non plus. Il est question, par exemple, de la réouverture d'un centre de la langue russe au Mali. Au plan international, Moscou et Bamako ont des convergences de vues sur les dossiers concernant l'une ou l'autre partie. Ainsi, le Mali s'est réjoui du soutien que la Russie lui apporte au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie salue de son côté les refus du Mali de participer au vote de l'ONU sur les sanctions contre Moscou après le lancement de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Bamako privilégie le dialogue, estimant que les sanctions ne peuvent pas tout régler. Certains partenaires n'ont pas encore réalisé que les choses ont changé. Aux allures de mise en garde, subtilement distillé hier par le président congolais en marge du sommet consacré aux tensions dans le Nord Kivu. Devant les caméras, Félix Tshisekedi s'adresse à Jeff Niagae, commandant en chef de la force régionale est-africaine. C'est très dommage que la population s'en prenne. Vous êtes venus pour nous aider, vous n'êtes pas venus pour avoir des problèmes. Soyez attentifs à ça. Vous répondez aux questions que la population communique avec la population. Déployée en novembre dernier pour rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, la force régionale est-africaine n'est pas parvenue à dissuader les rebelles du M23 de poursuivre leurs avancées. Samedi, l'EAC a appelé à accélérer la mobilisation de nouveaux effectifs. Des contingents ougandais et sud-soudanais sont attendus prochainement. En renfort, des milliers de soldats kényans et burundais déjà présents sur le sol congolais. Mais la population reste sceptique. Car lui-même, il n'est pas satisfait de leurs actions. Quoi de plus anormal encore de chercher à nous amener d'autres contingents? Au contraire, il devait prendre la décision qui veut dire que vous devez partir. Parce que jusque-là, votre bilan il est négatif. La population de la RDC donne peu de crédit à toutes ces résolutions, certainement de ces sommets. Nous pensons que le gouvernement devait doter plus de moyens aux forces armées de la RDC pour endiguer cette guerre. Une exaspération de plus en plus audible. Le 18 janvier, une manifestation contre la présence de la force régionale fut violemment réprimée à Goma. Quelques semaines plus tôt, la milice du M23 annonçait son retrait en grande pompe de deux localités au nord de la capitale du Nord Kivu. Des démonstrations qualifiées de leurres par l'armée congolaise et qui alimentent les accusations de duplicité. On ne voit pas une réplique de l'EAC à l'égard du M23, mais plutôt on semble trouver comme s'il y aurait une complicité entre les deux forces. C'est à nous maintenant de nous poser la question à quel jeu l'EAC joue. Des accusations catégoriquement rejetées par la force de l'EAC. Samedi, un nouvel appel au cessez-le-feu immédiat et au retrait de tous les groupes armés a été lancé. 24 heures plus tard, ce dimanche, un casque bleu sud-africain était tué dans des tirs contre son hélicoptère.
Betlaria, dans la nuit de samedi à dimanche, la ville du nord de la bande de Gaza est en proie à de violents affrontements. Dans les rues, les habitants se soulèvent contre la police du Hamas. Un scénario qui dure depuis plusieurs jours. Elle a raison, une décision de l'organisation terroriste d'exproprier des terres et de les annexer aux municipalités voisines. Pneus brûlés, rues bloquées. Depuis 4 jours, la population ne cesse d'exprimer sa colère, un sentiment partagé par le maire de la ville. Dans un communiqué, il a annoncé qu'il ne laisserait pas passer cette décision. Une réunion d'urgence a eu lieu, une procédure judiciaire devrait être ouverte. Les membres de la commune appellent à continuer les protestations contre le Hamas. Les mosquées et les organisations civiles demandent, elles, la mise en place d'une grève générale dans toutes les villes de la bande de Gaza. Certains membres du Hamas auraient, eux, suspendu leur adhésion au groupe en attendant l'annulation du projet d'annexion. C'est avec ce genre de tunnel que le problème des embouteillages pourrait se résoudre en Israël. C'est en tout cas ce qu'espère Benjamin Netanyahou et c'est ce qu'il aimerait mettre en place, notamment en Cisjordanie. Mais l'idée ne vient pas du premier ministre israélien, mais d'Elon Musk. C'est le milliardaire et entrepreneur américain, PDG des célèbres voitures Tesla via son entreprise Boring, que des tunnels font leur apparition pour faciliter la circulation. Les deux hommes se sont rencontrés en 2019 et lors d'un déjeuner à la résidence du Premier ministre, Elon Musk avait parlé de sa technologie de tunneling au chef du gouvernement israélien qui a vite été conquis. J'ai rencontré un homme appelé Elon Musk. Avez-vous entendu parler de lui ? Un vrai génie. En ce moment, nous discutons avec lui pour voir si nous pouvons tunneliser l'État d'Israël. Vendredi, en marge de sa visite à Paris, Benjamin Netanyahou s'est entretenu avec des investisseurs français et certains se sont dit prêts à soutenir ce projet. Pour le Premier ministre israélien, ces tunnels peuvent solutionner le problème des embouteillages, notamment en Cisjordanie, mais aussi contredire l'affirmation des Palestiniens, selon laquelle ils n'ont pas de continuité territoriale. Ces tunnels pourraient aussi donner plus de sécurité aux Israéliens qui vivent dans les implantations israéliennes. Un projet ambitieux, mais qui coûte cher et qui pourrait prendre des années avant de voir réellement ces tunnels utilisés par les Israéliens. À Chypre, l'ancien chef de la diplomatie, Nikos Christodoulidis, est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle ce dimanche avec 32% des suffrages. Soutenu par les centristes, il se présente comme un candidat indépendant souhaitant diriger le pays avec un gouvernement élargi. Favori du scrutin, Nikos Christodoulidis a appelé à l'unité dans un pays touché par l'inflation et les scandales de corruption. Face à lui, un autre diplomate, Andreas Mavroyiannis, qui a remporté plus de 29% des votes. Soutenu par le Parti communiste, il a d'emblée exclu toute coalition avec l'extrême droite qui a obtenu 6%. Σε αυτή την προσπάθεια που ξεκινήσαμε μαζί, δεν περισσεύει κανείς. Η αγάπη για τον τόπο μας καταργεί τις διαχωριστικές γραμμές και μας ενώνει. Des négociations entre les forces politiques pourraient avoir lieu d'ici le second tour qui doit se tenir le 12 février, alors que le scrutin s'annonce serré. Les Chypriotes se sont mobilisés pour cette élection avec 72% de participation au premier tour. C'est un peu plus que lors de la présidentielle de 2018. Επίλυση του Κυπριακού, οικονομική ανάπτυξη, διαφθορά. Αυτά είναι τα τρία ζητήματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν στον δρόμο προς τις δεύτερες προεδρικές κάλπες. Οι δύο υποψήφοι πρέπει να κερδίσουν το κρίσιμο ποσοστό των αναποφάσιστων αν θέλουν να κόψουν πρώτη το νήμα. Από τη Λευκοσία και το Euronews, Απόστολος Στάιβος. Le séisme a surpris les habitants en pleine nuit. Ici à Diyarbakir, la grande ville du sud-est, voici tout ce qu'il reste d'un immeuble de plusieurs étages. Sonné, hagard,
Ses habitants tentent malgré tout de dégager les décombres en attendant l'arrivée des secours. Un peu plus tard, les premiers corps sont extraits par les secouristes, toujours à l'œuvre au petit matin, alors que les habitants prennent la mesure de ce qui vient de se passer. Le tremblement de terre était très violent, très effrayant. Il y avait énormément de bruit partout. Il a fallu presque 2 minutes pour que la secousse s'arrête. Il était environ 4h17 lorsque la terre a tremblé près de la ville de Gaziantep. Une secousse très forte, 7,8 sur l'échelle de Richter, et très longue. 8 provinces du sud-est ont été touchées. Les autorités ont lancé une alarme de niveau 4 et un appel à l'aide internationale. Tous les gouverneurs sont actuellement au travail. Les gendarmes, les forces de l'ordre, les forces armées turques, le Croissant Rouge. Toutes nos équipes de secours et de recherche ont été déployées dans les différentes régions touchées. Les secousses ont été ressenties jusqu'en Syrie voisine, très touchée elle aussi. Ici, de nombreux bâtiments sans fondation solide ou endommagés par la guerre se sont effondrés. Des dizaines de personnes ont été tuées. Aidés par des habitants, pompiers et défense civile s'activent pour retrouver des rescapés. On recense aussi des centaines de victimes et de blessés en Turquie, dans le séisme le plus grave depuis 1999. C'est l'un des plus importants carnavals au monde, mais aussi la plus grande concentration de costumes. Venise a revêtu samedi soir ses habits de lumière lors de la soirée inaugurale, un cortège de bateaux le long du Grand Canal. Pendant près de 20 jours, la Cité des Doges sera un théâtre à ciel ouvert. Cette édition 2023 est placée sous le signe du zodiaque. Elle s'inspire des constellations, des symboles de la terre, de l'eau, du feu et de l'air. À Viareggio, en Toscane, le carnaval est une tradition vieille de 150 ans. Pour sa première journée de célébration, la ville a vu défiler des chars en papier mâché de plus de 30 mètres de haut. Siamo emozionatissimi perché ovviamente quest'anno è il 150esimo anniversario, quindi insomma c'è una grande responsabilità addosso anche per trasmettere appunto la nostra gioia, la nostra allegria a tutti. Si festeggia il centenario, i 150 sono davvero un risultato incredibile. Pensi, una città che è riuscita a tenere in piedi una tradizione ricca, vivace, contemporanea per 150 anni. Le carnaval de Viareggio est né en 1873 et est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands événements populaires en Italie. Ici, les chars sont construits tout au long de l'année dans une zone dédiée de la ville. Citoyens. Alors, les contradictions, elles sont gigantesques cette semaine. Celle qui m'a le plus ébranlé, mais il y en a tellement, c'est d'abord que vous savez qu'on était aux 500 jours de l'exclusion des soignants non vaccinés de cet apartheid scandaleux de femmes et d'hommes qui sont chez eux sans RSA, sans chômage. Ils sont suspendus, ils sont en apesanteur. Et au même moment, je lisais un article dans le Figaro et puis dans tous les journaux, grande réunion pour recruter à l'hôpital. Est-ce que vous savez, parce que j'ai les chiffres précis, je les ai notés, 99% des hôpitaux ont des difficultés de recrutement. Mais il y a pire, 15 000 postes vacants chez les infirmières. 5 à 6% des infirmières, c'est-à-dire des postes qui sont ouverts budgétairement, il y a l'argent pour les payer, mais ils ne sont pas là. 30% des médecins hospitaliers en poste vacant. 30%. 15 000 médecins manquent. 5 000 postes d'aides-soignantes. Ça veut dire que les postes sont ouverts. Il y a les crédits budgétaires, mais ils ne sont pas là. Et au même moment, il y a des dizaines de milliers de soignants non vaccinés qui sont chez eux, ou en retraite, ou en maladie, ou qui se sont reconvertis. Ils sont là, ils sont formés, ils sont prêts. Mais comment peut-on, par idéologie, pour pas désavouer le roi de Prusse ou le roi nu qu'est Emmanuel Macron, pour ne pas montrer que les vaccins ou les injections ne servent à rien, eh bien on se prive de forces vives, on laisse des gens à l'abandon et on laisse mourir des gens dans les couloirs d'hôpitaux. Il y en a eu, je crois, 2 cette semaine. On nous dit qu'il faut défendre le pouvoir d'achat. Le gouvernement et Madame Borne nous passent leur vie à nous parler de réformes justes.
Eh bien, je lisais les derniers profits des pétroliers. Shell, en 2022, a doublé ses profits à 43 milliards de dollars. ExxonMobil, 55 milliards de dollars. Chevron, 36 milliards de dollars. Total n'a pas encore publié ses profits. Même Biden trouve ahurissant que toutes ces entreprises se gavent d'argent, n'investissent pas dans la recherche pétrolière, mais donnent leur argent dans dividendes aux actionnaires, en rachat d'actions, c'est-à-dire c'est de la pure captation de spéculation. Et le gouvernement français ne veut toujours pas taxer les super-profits, c'est-à-dire tout simplement écréter les profits injustifiés qui sont liés à la pure spéculation. Le prix du baril a redescendu, mais le prix à la pompe est toujours très élevé. Les coûts de raffinage sont faibles. Les compagnies pétrolières sont en train de racketter les Français, les Européens, les Américains, et personne ne bouge. Vous savez qu'on nous a dit que c'était formidable avec Parcoursup, que c'était extraordinaire Parcoursup parce qu'on allait pouvoir aider les enfants, les jeunes, éviter le bac qui est compliqué, etc. Ben, l'effet pervers de Parcoursup, c'est ce que j'avais annoncé, c'est qu'il y a un grand article dans Le Parisien, c'est pas moi qui le dis, où les professeurs avouent qu'ils surévaluent les notes parce que, d'abord, ils ont peur de la réaction des élèves qui sont traumatisés, parce que vous savez qu'il n'y a plus le bac, que le bac compte pour Epsilon, enfin beaucoup moins, les épreuves du bac, et que ce qui compte, c'est le contrôle continu, notamment le premier trimestre de la terminale, le deuxième trimestre, qui est pris en compte pour Parcoursup. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les professeurs se sentent obligés d'aider leurs élèves et donc surévaluent les notes. Pression des familles, pression des élèves. Une prof est interviewée dans cet article du Parisien et dit « Je ne veux pas sacrifier l'orientation de mes élèves ». Ça veut dire qu'en fait, les notes n'ont plus d'indication. Et on revient à l'aberration de ce système de contrôle continu. Pourquoi il y avait le bac? Parce que c'était un moment, un concours ou un examen, uniforme, même question pour toute la France, il n'y avait pas de passe-droit. L'élève arrivait à un concours égal, c'est de la méritocratie républicaine. Alors toute la journée, on nous parle de lutte contre les inégalités, toute la journée, on nous parle de méritocratie, de promotion sociale, d'élever le niveau des enfants. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? On a détruit le bac, on a détruit la République. Et on a un système de copinage. Alors, en fait, on en arrive au point où certaines écoles d'ingénieurs rétablissent un examen. Pourquoi? Parce que les dossiers qui sont envoyés ne sont pas vrais, puisque les notes ont été surévaluées. Et alors, c'est pire que ça, il y a certains bons élèves de lycée où les notes ont été surévaluées qui sont sanctionnés. Puisqu'en fait, selon les lycées, les écoles d'ingénieurs dans l'examen des dossiers n'ont plus confiance. Donc on a créé le bazar, pour ne pas employer un mot plus vulgaire. Vous voyez la contradiction. Toute la journée des bons sentiments, et puis en fait, ils ont détruit la République. Ils ont détruit l'État. Ils ont détruit la justice.